On est là, ici et maintenant. On est force d'être ensemble. Ok. Voilà. Sourire ou pas forcément, mais juste on est là. Ok, stop, on s'arrête. Asiati, t'en vois grave. Dalida, c'est super. Sylvie, c'est très bien. Et là, vous partez. La musique reprend, dispersez-vous. On le fait ensemble. Chacune avec ce qu'on est, chacune avec nos histoires. Et on est chargé de ça. C'est ce qui fait notre force d'être ensemble aujourd'hui. D'accord? Ok, on se lance maintenant. À tout à l'heure. Courage. Ça y est, je sais. Je marche. Je marche pour dire le bruit du monde. Je marche pour voir plus grand que ce que l'on me donne à voir. Je marche pour trouver des mots, pour parler de nous. Juste, je marche en poussant ma chambre à coucher, entre Marseille et le port du Havre, comme un refuge dans la tempête. Nos pieds sont de feu pour pallier aux intempéries. Sous l'eau, nous savons nager. Nous avons appris. Je me suis réveillée ce matin, pas plus tard que les autres matins. Le boulanger avait déjà vendu la moitié de son pain. Morad était déjà parti en livraison. Les enfants près du toboggan. Je me suis réveillée ce matin. Je me suis attachée les cheveux, habillée juste un verre d'eau. Je devais écrire pour que chaque parole prononcée ne soit pas perdue. Pour que quand sur la route, vivre me fatiguera. Entendre vos éclats de rire qui m'ont tranché la gorge. On dit qu'on part quand on a assez de souvenirs. Je reste, le temps de les dire. Pour ne pas mourir de silence. On ne dort pas, on marche, nous sommes plusieurs. Avec Nasa mordue, on marche sur les écorchures de la terre. On déborde, on prend place, on part de nos enclos pour ne pas nous soumettre. Nous refusons d'être seuls dans le naufrage, alors nous sortons. Pour ne plus penser aux factures sur la table du salon, aux rats dans la cage d'escalier, aux fins de mois sans cigarettes. On ne dort pas, on marche, nous sommes plusieurs. Notre colère grimpe, on la consomme sans modération, on ne consent pas à l'oubli. Regardez, nous sommes celles et ceux qui marchons de côté.